Vas-y, tu m'invites. Mais je sais pas comment faire. À chaque fois, je dis dictaticiel, non, c'est didacticiel. Didacticiel. Je sais pas du tout comment on fait pour s'inviter à plusieurs. Ah si, bah, invitation, là, JDG, invitation envoyée. C'est bon? Ok. Attends, c'est ça? Oui. Mon personnage est déjà nazi. Comment ça? Alors attends. Ah non, mais c'est insane. Quand je fais... Y a pas l'invitation en fait, y a marqué vous en invitez à jouer, mais j'ai pas le... Bah, je t'ai envoyé une invitation, il y a écrit invitation envoyée. Bah ouais, bizarre. Il doit y avoir un système. Attends. Si je fais jouer, ça fait quoi? Chargement? Non. Antoine faisait... Ah, ESC. Vas-y, je rejoins son groupe. ESC, à voir. Merde, t'as pas safe. Mais qu'est-ce que c'est quoi c'est... Antoine Daniel. Antoine est en ligne, je oui. Je le croise, mais je suis en ligne. Check, hein. Bah oui, mais comment j'accepte, là? D'ailleurs, un système... Il doit y avoir un système. Ouais, d'ailleurs, un système. Il doit y avoir un système. Tu vas t'en sortir. Ouais. C'est vrai que ça commence bien. ça commence bien. Mais c'est souvent comme ça, rappelle-toi. Ouais, c'est... On vous a promis du démon. Ah oui, là, ce soir, ça va être incroyable. Ok, alors attends, je trouve... Ah oui, voilà, ça y est, invité. Ah, du coup, merde, du coup. Ah, mais c'est toi qui m'as invité. C'est toi, moi, qui m'as invité. Et du coup, comment je fais pour te rejoindre? Ah, ben voilà. Quoi? Attends, et moi, à moins que je fasse invitation en attente. Ah, rejoindre, attends. Voilà. Ah, tu es là. J'entends, ah, merde, je crois que j'ai entendu quelque part. Ouais, il faut mute le micro in-game, attends. Ah, t'es là. Tu vois, t'es nazi, toi aussi. Ouais. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. J'ai un petit problème dans mon bras, je n'arrive plus à le... Je n'arrive plus. Ok. Alors, attends, il faut se mute in-game. Je pense qu'il doit y avoir un micro in-game. Moi, je t'entends pas in-game. Y a pas un écho, c'est moi qui hallucine alors peut-être. Je crois chat que vocal. Parle là. Oui. Non, là c'est bon. Oui, si, y avait un micro in-game, ouais. Tiens, tu veux une bière? Ah, mais oui, mais évidemment, parce que moi, mon micro in-game, il est sur mon autre casque. Donc c'est pour ça, donc moi, il est mute. Ah, oui, d'accord. Alors, comment ça marche? Tiens. J'en ai aucune idée, on a skip le tuto volontairement. Oui, c'est vrai. Alors, attends, là, il y a les. Ah, ok, donc c'est clic droit, clic gauche pour attraper les objets. Oui, oui. Ok. Ah d'accord, ok, donc et c'est... Là tu peux changer ton look dans le miroir si tu veux. Tu peux rotater avec la main. Ouais. Ah je peux rotater avec la main comme... Ah oui d'accord, ok. Miroir. Interagir. Ah yes. Sélectionner un personnage. Heather. Milo. Penny est une pipelette infatigable qui aime les cocktails sans alcool à ananas. Toi t'as pris qui toi? Je sais pas, j'ai pris le gars là. Putain, je peux pas te mettre la fusée dans le cul, quoi. Trop déçu. Moi, je vais prendre lui. Attends, encore. C'est quoi, ça? Pourquoi je ressemble à un mec de l'Inquisition espagnole, quoi? Oui, c'est les docteurs de la peste. Ah, yes. C'est parfait. C'est chirurgien. Il a l'air Guten Tag à mort, là. Il a l'air Guten Tag. Ouais, lui, il est... Ah oui, là, oui, oula. Il est habillé par Hugo Boss, lui, hein, complètement. il vient de la Bavière, là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Utiliser le terminal pour définir la destination. Ça me rappelle le gag du brassard de soutien musculaire que j'ai fait dans un JDG. Alors, attends, maintenant, mon bras, il est central. Pourquoi il est plus à gauche? Bizarre. Comment ça donne dans le miroir? Putain, c'est vraiment... C'est Jurassic Park Trespasseur, un petit peu. Alors... Qu'est-ce qui se passe, là? Bossa Labs. Mais pourquoi mon bras, il est comme ça? Je voudrais que ma main, elle soit à ma gauche. Alors, attends. Ah, mais voilà! Tu peux baisser, regarde! Ça y est. Non, ah non, ça... Il se redresse tout seul. On dirait que j'ai un serpent, en fait. On dirait que je... Qu'est-ce que tu fais? Ah mais on dirait que tu t'es pété le bras. Mais oui, pourquoi mon bras il est comme ça? Alors attends, on va quand même aller voir les contrôles, hein. Options, gameplay, commande. Ah voyons, c'est maintenir, pivoter la main, oui. Pivoter le bras. Maintenir, appuyer pour faire un geste. R plus molette. Ah! Ok. Regarde. Tu vois là? Oui, oui, regarde. Combien j'ai de doigts là? 2. Ok. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Super. Incroyable.
C'est vraiment le jeu du futur. On pourrait passer notre soirée à faire ça. Hey. Alors... Mais attends, je veux juste changer mon bras parce que là il est au centre en fait et je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il est au centre d'un coup? Attends. C'est bugué, hein, bien sûr. Oh là là, il y a tellement de choses. Mouvement radial. Je crois que c'est ça. Attends, non, c'est pas la molette centrale. Non, c'est pas ça. Attends, tu vois ça où? Shift. Ah non, shift, ça fait pas. Quoi bah non, ah si. Ah, si. Ah si, oui, si, oui. Si. Ouais, vas-y. Effectivement. Est-ce qu'on peut se serrer la main? Est-ce que je peux t'attraper? Non, je peux pas t'attraper, tu n'existes pas. Regarde mes doigts, regarde mes doigts. Tiens, sans mon doigt. Sans mon doigt. Sans mon doigt. Ok, bon, on peut jouer là ou quoi? Je vais te mettre, je vais te le mettre, mec, je vais te le mettre, je vais te le mettre, je vais te le mettre. Je vais te le mettre. Ok, Oula! Ok, attends, mais. Ah, bah... Il faut que tu montes dans oui, ton oui, truc, oui. Je crois. Ah, mode de jeu depuis le terminal, faut choisir. Ah, merde. Bah alors attends. Mais attends. Comment ça marche? Ah, voilà, ok. Il y a un mode histoire. Prends l'histoire. Oui, vas-y, le lore a l'air fantastique. Ouais. Allez, c'est parti. Hein. Allez. Je suis prêt. Mais il me dit choisir un mode de jeu depuis le terminal? Bah, tu l'as pas fait. Ah, mais ah, je pensais que ça choisissait pour nous deux. Ah. Ce que bah, t'avais pris. Semble... Attends, je peux pas avoir. Mais moi, j'ai rien sélectionné. Niveau créé par la communauté. Ah, putain. Mais non, mais prends le mode histoire, vas-y. Il se barre à chaque fois. Ok, c'est bon. Oui. Cœur brisé. Soigner le patient en moins de 10 minutes, en perdant moins de 700 ml de sang. C'est un jeu d'enfant. C'est parti. Ok, mode histoire, cœur brisé, ça y est, c'est affiché. Un jeu d'enfant. Merci, Judith9, pour le sub d'une durée de 6 mois. Marlem Jojo, les 6 mois. Kouza et l'année. Ah, ça peut jouer à 4. Ouais. C'est sûr, ça va être claqué de ouf. Ah, ça va être nul à chier. Poor Bob's heart is on its way out. Luckily, okay. Our bioreplicator unit, the Brew, has Bob. A replacement. Alors attends. The Brew is our c'est par là. Greatest achievement and works almost perfectly. Surgery. Faut bien attends, se laver là. Les mains. Hein. Ouais, attends, c'est comment j'ai un nounours. c'est bien mec, attends. Alors où est Bob? Comment on entre là-dedans? Attends, il faut montrer notre passe. Il faut montrer notre passe. Notre passe sanitaire. Où est-ce que c'est? Bah, je ne sais pas. On n'a pas fait le tuto. Ouais. Ah, bah, peut-être qu'on l'a pas. C'est bizarre. Attends, non, mais on doit avoir le passe. Là, il y a un truc là. Il faut bipper ça. Là. Petit côté à couteau d'âne un peu. Où est-ce que. Attends, c'est bon. Je l'ai là. J'ai un. On dirait une sardine, là, une botte de sardine sanitaire. Là. Mais t'es sûr que c'est ça? Une sardine sanitaire? Ouais. Ah, mais attends. Si, regarde, ah oui. Je suis un génie. Tu peux rentrer? Non. Ça ne servait à rien. Attends. À moins que, genre... Putain. Vas-y, essaye de rentrer. Yes. Et toi, tu peux rentrer, là? Ouais, oui. J'ai forcé la porte. Voilà. C'est bon. Ok. Bob awaits you. Check the diagnostic scanner to see what's ailing him. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors attends, je vais... Bob est malade. Merde. Oh, tu remets ça. Attends, t'as fait quoi? Non, rien. Ok. Tout va bien. Bob est malade. Il a écrit... Okay. Ok, c'est quoi? Il faut lui mettre un cœur, hein, c'est ça? Ouais, où est-ce qu'il y a un cœur? C'est quoi, ça? Ah, c'est pour mettre des seringues. Seringue anti-hémorragique, seringue de sang. D'accord. Parce que s'il perd trop de sang, on pourra lui en remettre un peu, quoi. Toujours sympa. Ok, okay. Ouais. Someone's messed with the fridge door. Ah oui, il doit être dans le frigo. Où est le frigo? Je sais pas où est le frigo. Parce que là, il faut une carte bleue pour passer cette porte, là. Non, mais où est le frigo? Il faut chercher une carte bleue, je pense. Je pense que le frigo, c'est là. Ah, il faut... Attends. Il faut un cœur? Non, non, c'est ça. Ah non, ça, c'est après. Il faut une carte bleue. Mais où est-ce qu'ils ont foutu le cœur? C'est mal rangé. Ah oui, c'est mal rangé, c'est mal pensé. Hein. Bah, je sais pas, moi. Excusez-moi, monsieur, hein, veuillez patienter, Bob. Ouais, ouais. Oh, oups. Pas. J'ai failli pas. Faire... Non, non, rien. Attends, je vais ranger Bob. Attends. Je peux pas ranger Bob. Putain, mais... Je veux ranger Bob. J'ai trouvé un truc avec une serrure. Non, mais je peux pas l'ouvrir. Mais putain.
Où est-ce qu'ils ont foutu le cœur, c'est pas vrai. Il y avait quoi à l'étage? Je suis pas allé par là. Enfin, je suis juste rentré, mais je suis pas allé. Ah, mon ancien bureau. Non, mais non, c'est pas ça. Ah, ok, j'ai trouvé... C'est que ça. Il y a quelqu'un qui est là-dedans. C'est quoi, c'est le chef Gontier? Je sais pas, bizarre. J'ai trouvé une carte. Déjà, j'ai trouvé la carte bleue dont on a besoin. Oui. Mais il faut le cœur du gars. Mais ça doit être dans le frigo, en fait. Tu dois utiliser cette carte pour aller dans l'autre pièce et trouver le cœur. Là, ok. Si je fais ça... Hop là. Ça scanne. Ça déverrouille, non, ça détruit que ça... Il faut les... Ah, il le faut... Ça, je pense que c'est après, ça. Faut peut-être mettre un cœur là-dedans, il y a écrit. Hein. Je vais peut-être lui retirer son cœur. Hein. Il lui sert plus à rien. Hein. Ah, tu veux dire... Ah oui, c'est peut-être ça, mais il a un cœur, là. Bah, sinon, il serait mort, mec. C'est pas faux. Alors, attends. Je te rassique, d'abord. Comment on fait? Bah, on tire très fort, je suppose, non? Ah, vas-y. Ah, attends, oui. Je tire, vas-y, tire aussi. Tire avec moi. attends. Non, c'est pas ça. Faut pas un scalpel? Ou un marteau? Ah, un marteau, yes, ouais. J'utilise ça, par exemple. Ah, ça marche, attends. Je vais retirer un bout. On a retiré, alors... Ah oui! Attends, par contre, je lui remets ça, sinon il va... Ah oui, il vaut mieux. Ok. Attends, merde, c'était quoi, ça? Je sais pas, remets. Je sais pas. Et le cœur est en dessous. Il perd du sang, là. Faire du sang, et là-bas il y a des seringues de sang, go l'injecter. Ouais, je vais chercher des seringues. Tout va bien se passer. Attends, il faut que je tourne la main. Ah. Bon, attends, je remettrai ça après. Oh. Ok. Merde, Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas, rien. C'est bon, je lui mets du sang. Tout va bien. Mais putain, mais le cœur il est trop bien caché en même temps. Il est là, il est en dessous. Allô? Je vais chercher du scotch. Oula, il va crever! Eh non, bah oui, bah non. Tu lui as coupé les jambes, Antoine! Je lui ai coupé les jambes? Mais oui, tu lui as coupé les jambes! Quoi? Mais je lui ai pas coupé les jambes, je lui ai juste retiré des boyaux! Les jambes. Mais j'avais même pas de couteau, j'avais rien! Bah tu lui as arraché les jambes! Quoi? Mais tu es fou! Mais je n'ai jamais fait ça. Ah, ouais. J'ai vu ses jambes arrachées! Ouais, les gens du chat me disent ça et moi j'ai même pas fait gaffe. Merci Metranus pour les 14 mois. What the fuck, les amis? Vas-y, accepte. Ah non, ça s'accepte tout seul. Ok, ouais, c'est pas grave, mais non, on sait ce qu'il faut faire. Luckily, our bioreplicator unit, the Brew, has produced a replacement. Ok. The Brew is our greatest achievement. Là, il faut la carte, voilà, elle est là-dedans, tu l'as? Oui. Bon, allez, vas-y. Vas-y, quoi, passe. Attends, ouais, vas-y. Je passe. Putain! Ah merde, refais. Vas-y. Mais... Pousse là et je garde ouverte. Voilà, merci. Voilà, c'est bon. Ok. Attends, sors pas Bob tout de suite. Ah merde, trop tard. Ok, mais de toute façon, là il perd pas de sang pour l'instant. Pour l'instant, tout va bien. Il faut casser la cage thoracique. Attends, je vais chercher la carte, l'autre carte en haut. Eh, mais elle est plus là. Il y en a une par terre là. Mais non, mais c'est celle que j'ai utilisée pour la porte de tout à l'heure. J'ai juste jeté. Voilà, je suis allé la chercher. Elle est là ? Non, je l'ai là. Voilà. C'est bon. Rire de droite. Alors, faut lui péter la cage thoracique. Easy. Alors, attends, faudrait trouver un truc chirurgical, un marteau chirurgical ou un truc. Attends, il doit y... Non, c'est bon, je l'ai pété, c'est fait. Comment t'as fait ? T'inquiète. Il va très bien en plus de ça. Okay, alors attends, faut retirer tout ça, ça ne lui servira plus. Non, celui-là n'est pas cassé. Alors, on n'arrache pas, ce coup-ci, on n'arrache pas les trucs. Ok, doucement. On arrache, voilà, ça sert à rien. Ça sert à rien. Bon, alors. Attends. Le cœur, en fait, il est en dessous. Le cœur, ouais, en fait. Il est en dessous des poumons. Il faudrait enlever les poumons délicatement. Il est... Ouais. Ok, attends. Vas-y, attends. Attends, je vais prendre le cœur. Ah non, j'y arrive pas. Attends, faut au moins qu'il ait un poumon. Sinon, il pourra plus respirer. Vas-y. Putain, merde. Bon, attends. Retiens ta respiration. Hein. Putain, le cœur veut pas s'arracher. Faut découper le cœur. Je le remets. Merde. Attends.
mais où est passé le cœur? Tu l'as mis où? Bah... Non, je crois qu'il est passé... Il est tombé par terre? Il est où le cœur? Il est passé en dessous, non? Attends, retirons... Vas-y, enlève les poumons. Ouais, ouais. Eh merde, j'ai arraché le bras! Vite, recoue le bras! Mais comment? Je vais chercher du sang! Pousse-toi, recoue le bras! Recoue le bras! Je ne peux... Ah si, c'est bon, je lui ai recoué le bras. C'est bon? Oui. J'ai recousu le bras. Je mets du sang. Ah, merde, j'ai foutu du sang dans le canapé. Attends, t'as bien fait. Ça lope pas le canapé, hein. Ok, et le cœur, il est... C'est ça, le cœur? Ah oui, non? Attends, mais là, comment... Je reconnais pas les... C'est ça, là-bas? Eh merde, tu as cassé notre bras! Merde, attends. Attends. Oh, mais putain! Oh, merde! Eh, faudrait pas faire un jeu aussi permissif que ça si c'est pour qu'on échoue directement, quoi. Laissez-nous un peu le temps. Ah, le cœur était par terre. On l'a foutu par... J'ai pas vu. Gunfire pour l'année. Icos pour les 40 mois. Ah, le cœur était par terre à mes pieds. Et je l'ai pas vu. Mais après, je reconnais plus... les outils. Mais je sais pas où sont les outils, hein. C'est peut-être genre le niveau 1, il n'y en a pas. Je vais aller regarder là-dedans s'il n'y a pas des outils qui peuvent servir. Il n'y a rien. Speedrun, c'est posé ça là en fait. Je suis trop con, il fallait juste le poser le truc. Ah bah oui, évidemment, mais tiens. N'appuie pas sur le bouton encore. Vas-y. Je cherche la carte. Someone's messed with the fridge door. Attends. Est-ce qu'on peut pas ouvrir des trucs quoi? My old office. I'd rather miss it. Hey. Oui, ils essayent de portaliser le jeu, mais on s'en bat les couilles. Tac. Ok, vas-y. Vas-y, appelle Bob. Non, j'ai un tabouret. Moi aussi, mais moi, j'ai pété le truc avec ça, en fait, tout à l'heure. Ok, mais vas-y. Vas-y, appelle Bob. Attends. Bob awaits you. Check the diagnostic scanner to see what's ailing him. Je reviens. Ok. La science. La médecine moderne. La science. Ah merde! Le pied! L'autre bras! Non! Vas-y, recoule-le! Ah! J'essaye! Putain! Ah! Non! Ça veut... Putain! Non! Remets! Putain, non! Oh non, il va... Oh non! C'est si dur! C'est si dur... Faudrait y aller plus doucement. Hein. Ouais, peut-être. Je pense que vouloir faire une opération du cœur en 3 minutes chrono. Ok. On est des speedrunners un peu, on est des chirurgiens performeurs, tu vois. Pourquoi il est mort? Bah, je sais pas, franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Hein. Bob's heart is on its way out. Luckily, our bioreplicator unit, the Brew, has produced a replacement. On aurait pas dû faire le mode histoire, on aurait dû juste faire des opérations. Hop. C'est encore possible. Ok. Bob awaits you. Check the diagnostic scanner to see what's ailing him. Allez. Attends, je vais chercher la carte. Essaye de t'occuper de Bob. Ouais. J'essaye de. Je lui mets des coups de bouteille, ça marche pas. Non, t'inquiète, mec. C'est top ce que tu fais. Ah merde, j'ai foutu la bouteille dedans! Ah merde! J'ai caché. Attends, non, mais en fait, je pense qu'il faut juste retirer. Doucement. Ça? Bah, je le retire tranquille. Hop. Bah, vas-y, mets-le par terre. Voilà. Ça, bon, ça lui servira pas aujourd'hui. Alors, il perd un peu de sang, mais ça va. Ça va, tranquille. Hein. On le remettra au pire. Le cœur, il est là-bas. Ouais, il est sous la bouteille. Tu vois? Non, tu il est à côté. Non, il est pas vraiment sous la bouteille, il est à côté de la bouteille. Doucement, hein, avec les bras, arrache pas les bras. Non mais en fait c'est la cage thoracique qui me pose problème quoi. Ah, je tiens la main, voilà. C'est la cage thoracique, faudrait péter la cage thoracique, ouais, mais je sais pas comment on fait. Hein. Attends. On a pas d'outils. Si, regarde. J'y vais doucement. Attends, je tiens la main pour éviter que ça s'arrache. C'est bien, vas-y.
ça c'est chirurgical. Voilà. 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 Ah, super, on a accès. Alors, j'ai accès. Alors, va falloir lui retirer le poumon là, je pense. Voilà. Merde, le bras. Le bras. Comment, comment je vais chercher le sang. Il faut juste que tu le places sur le bras. C'est bon ça. Attends, je vais chercher du sang, Ça au cousu, Vas-y, mets du sang, injecte du sang. Attends, je m'occupe du Il y a un poumon par terre, je vois le cœur là. Attends, t'es là, j'essaie de l'atteindre. T'en sors ? Non. Ah putain. Il est difficile. Mais mon jeu il a freeze. Ah bon ? Attends. Mon jeu a juste crash. C'est bon, je l'ai. Mon jeu a crash, mec. Ah merde ! Il s'est éteint. Puis le moment où on a le cœur. Je relance le jeu. Je sais pas si je peux te rejoindre pendant ton truc. Ah oui. Penguin Swiss pour les enfants. De toute façon, j'étais en train de tout enlever. Je me suis dit, quand il restera plus rien, on finira par avoir le cœur. Ouais, on s'en sortait trop bien. Bah ouais. C'est Tony Shira pour le Prime, merci beaucoup. Il y aura UTD pour les 11 mois, merci beaucoup. Tu me dis quand t'es. Ouais, attends. Hein. Alors attends, comment t'as fait pour me rejoindre ? Tu fais échappe et dans amis. Bah attends, je peux moi te rejoindre. Anto ne fait plus partie de vos amis. Non, ok. Invité, voilà, vas-y. Ok, invitation. Rejoindre. Et du coup, t'es où ? Là en face de toi. Derrière toi. Ah oui. Mais du coup, il faut qu'on. Attends, viens, on fait pas le mode histoire. Vas-y, ok. On fait. Attends. Vas-y, mais je te laisse choisir. Mode groupe, alors il y a niveau créé par la communauté. Mode création. Mais mode création, je pense que c'est nous qui créons. Nos ah niveaux. Oui, d'accord, ok. Niveau créé par la communauté, mode histoire. Ou mode groupe. Chaque chirurgien pour soi, emparez-vous de votre scalpel et affronterez d'autres joueurs dans nos niveaux. Non, mais vas-y, on va faire le truc de la commu là. Ah, mais est-ce qu'il y a des. Le jeu est sorti il y a pas longtemps, est-ce qu'il y a déjà. Mieux noté, les niveaux les mieux notés du jeu. Vas-y. C'est pas un truc du Steam Workshop ? Bah, je sais pas trop. Hein. Non, mais vas-y, on va refaire Bob. Eh, vas-y, mais ça va le faire. Ça va le faire. Ok. Oui. C'est bon. Vas-y. Allez. Vas-y. Allez, ce coup-ci. Sinon, le tuto, mais non, mais ça sert à rien. Ouais, mais on a compris le jeu, hein, en vrai. Ça sert à rien, le tuto. Hein. Le tuto, c'est ok. Hein. C'est osef, un tuto. Hein. Tranquille, hein, les amis. Hein. C'est pas comme s'ils allaient vraiment nous apprendre à faire des vraies opérations. Bon, dis-y le jeu. Allez, vas-y. Je récupère la carte. Donc tu la poses là. Ouais, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok, j'appelle Bob. Vas-y, essaie de délicatement lui péter la cage thoracique avec la bouteille de la bonbonne de gaz, là. Je vais essayer. Ah, mais sinon, il y a peut-être des outils, là. Attends, non, je sais pas. Ah, my old office. I rather miss it. Mais... Bon, je l'ai. Ah, ça va, ça marche. Ça marche ? Ouais, c'est bon. C'est bon, elle est délicatement pétée. Elle est délicatement pétée ? Très bien. C'est parfait. Ok, maintenant... Attends, je remets les bras bien, pour pas lui arracher. Voilà. Je vais lui retirer un poumon, Vas-y. Je retire le deuxième. Ok, le cœur est juste là. Vas-y. C'est bon. Impeccable. Vas-y, je vais le placer. Je vais peut-être lui remettre un poumon. Perdu. Non, ça va. Pas besoin. Ouais, ça va. Ok. You know arms and legs don't belong in there. Prêt ? On va appuyer sur le bouton ? Vas-y. Attends, c'est trop. Il faut peut-être escalader, non ? Peut-être pousser ça, non ? Bah. Comment ça marche ? Peut-être que mon doigt. Attends. Genre mon doigt là. Ah oui, t'as raison. C'est pas idiot. Bah si, oui, voilà, c'est ça. Ah putain, c'est vrai que c'est ça qu'il faut faire, je suis pas idiot. Paf. Je veux appuyer. C'est bon. T'as récupéré. Bon. Eh, ouais. Tu veux un coup de main ? Eh ah, blague de chirurgien !
Attends. Ah putain. Ah. Attends, il y en a pas un autre qui traîne? Si, si, il y en a un autre. Ah, c'est compliqué. Si, c'est bon. Non, non, c'est mec, j'ai juste appuyé sur le levier qui était à côté, en fait. Ah merde. Ok. Putain. Alors attends, je vais lui refaire. Voilà, oula, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? T'as fini l'opération? Ouais, j'ai mis le cœur et il est reparti. Super, il avait pas besoin de ses poumons. Bon, oh. Je prends le poumon avec moi, on sait jamais. Ouais, ça peut être utile. Ok. Où est-ce qu'on va? Ah. GG, félicitations. Avec mon la chirurgie est validée. Ah bah voilà, chirurgien rock'n'roll. A plus, hein. A plus plus, ouais. Ouais, on est un peu les boss de ce jeu, quoi. Ah, mais mec, trop facile. Force try. Merci Ryu au ketchup pour les 10 mois. Marmotte pas farouche le prime, merci beaucoup. Tranquille. Tranquillement. Putain, mais t'as la même tête que moi, en fait. Ouais, mais j'ai un bocal sur la tête. C'est vrai. Julian un meilleur Bob. Cette partie devrait être impeccable, voyons ça. Ok. Oh, don't go off in a huff again. Alors attends, donc c'est fermé. Ah, c'est par là. Scanner. Ah, il y a ici, là. Là, il y a Bob, là. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, ouais. Je peux plus là-dessus, c'est parce que j'ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas, mec. Attends, bras droit épuisé, bras gauche épuisé. On a trois jambes droites et peut-être il faut lui changer les jambes. Ah, faut peut-être lui changer les bras. Faut lui changer les bras, mais non, ah, non, mais moi j'ai... Non, c'est ses bras qui sont malades, je le vois sur le scanner. Ah. Mais par contre, plus de bras. Mais par contre, faut lui donner du sang aussi. Attends. On peut peut-être mettre des jambes à la place des bras. Bah, c'est pas une mauvaise idée, mec. Bah ouais, peut-être. C'est pas une mauvaise idée, hein. Vas-y, arrache-lui un bras. Attends, je le pique d'abord. Attends. Putain, je n'arrive pas. Tiens, voilà. Attends. Mais arrête de me pousser pendant que je... Tout va bien. Bah oui, voilà, regarde, c'est ça. C'est ça. Attends, ah oui, c'est chercher... pas mal. Je vais chercher une autre jambe. Bah non, c'est considéré comme étant manquant, en fait. Ah, c'était pas ça qu'il fallait faire? Bah, vas-y, mets-le quand même pour voir. Alors attends, j'arrive pas à attraper le sang, comment c'est? Ouais, je vais t'en mettre un peu de... Allez. Allez, j'arrive pas à attraper la jambe. Rire de droite. Je vais leur mettre un peu de sang. Ah putain. Y'a la jambe est coincée dans le distributeur. Non, je vais t'aider. C'est jambe où? Jambe gauche bloquée. Elle est bloquée là-dedans. T'as pas un truc, un balai ou... Ah attends. Merde, ah oui. Merde. Oh, mais regarde. C'est pas vrai. Don't you hate it? Mais sinon, je vais prendre une autre jambe. Je prends une autre jambe et je vais frapper. Ouais. Ah ouais, c'est pas con, ouais. Y'a un truc là-dedans, c'est quoi ça? Putain, ils sont bloqués en dessous, quoi. J'arrive pas à saisir cette jambe non plus, quoi. Ah si, voilà. Allez. Vas-y. Allez, voilà. C'est bon? Ah, oui. Vas-y. Oula. Attends, je lui arrache le bras. Vas-y, arrache le bras. Doucement, délicatement. Voilà. Allez. Attends. J'essaye. Voilà. Voilà. Et ça dit quoi? C'est réussi? Bah, je crois qu'il y a écrit manquant, du coup. Hein. Je crois qu'on a fait une erreur. Je crois qu'on a fait un monstre. Ouais. Non, attention à la tête. Touche pas trop à la tête. Ouais, doucement, doucement. Mais non, regarde, c'est là-bas, les bras. Regarde, c'est à la fenêtre, là. Les bras, ah, c'est mais... par là. Excusez-nous, Bob, hein. On est vraiment tête en l'air. Hein. Et là, comment on fait pour ouvrir ici? Attends, si, regarde. Il y a un truc, là. Il faut peut-être jeter quelque chose. Là, ouais. Regarde. Tu es au-dessus, là. Ah, oui. Non, mais ça, c'est trop gros. Ça passera pas. Attends, quoi que... Yes. T'as réussi? Bah oui. Ça c'est un peu joué. Comme Portal, en fait. Comme Portal. Littéralement comme Portal. Ah mais faut mettre ses bras malades. Ah.
c'est vrai que ses bras ils étaient malades. Hein. Tranquille. Il y a une position sexuelle chelou quoi. Ok, c'est bon, j'ai récupéré un bras en bonne santé. Attends, mais je l'ai coincé derrière une table, attends. Voilà. Qu'est-ce que bip bip ? Ah non, très bien. Ok, je vais lui mettre un bras, Ok, moi je fais ça. Allez. Putain, c'est j'arrive pas à le mettre. Allez. Putain, je n'arrive pas à lui mettre le bras. Ah voilà, c'est bon. Vas-y, arrache-lui l'autre, moi j'ai le deuxième. Voilà. Impeccable. En très bonne santé. Oh, mais easy. C'est ouais. Un peu lame que le jeu. Quoi. Ah ouais, ça chie. Mais c'est marrant quand même. Il y a une touche pour avancer, reculer ton bras, c'est quoi la touche? On aurait dû faire le tuto, j'ai toujours dit. Hein. Pas besoin d'en faire des pieds et des mains, exactement. C'est Sky Maiden pour les 14 mois. Là, je lui play les 3 mois. En fait, c'est quoi? Ça me rappelle les jeux... tous les jeux à Ragdoll qui étaient à la mode, mais il y a genre 4 ans, quoi. Oui, oui. Des trucs genre Goat Simulator, tout ça. Ouais, carrément. Ouais. Ils arrivent à 4 ans en retard, quoi. Putain, les niveaux qui mettent 1000 ans à monter, là. Ouais, putain, c'est long. C'est long. C'est long. Merci Anoli pour les 10 mois de sub tier 2. Alors. Alors attends, là y'a rien, y'a quoi là? Ah, c'est dans cette pièce, faut qu'on aille, c'est là-bas. Par là? Par là, ouais, mais c'est fermé. C'est là-haut, y'a un distributeur de bras là. Ouais. Mais c'est par là, la chambre chirurgicale elle est là. Ok. Comment on fait pour rentrer? Ah, y'a une seringue jaune. Et là, y'a une seringue rouge. Je la prends, t'as ouf. Ouais, chambre chirurgicale est là. Ah ouais. Là, il y a un distributeur de gros intestins, de bras gauche et de jambes droites. Et là, il y a plein de bras et tout. Là, il y a un passage. Ah ouais, regarde. Ah, vas-y, rentre. Putain, je peux pas. Tu peux pas? Non, je peux pas. Essaye, toi. Je peux pas. Non, ça marche pas. C'est pas ce que je sais. C'est parce que, genre, il y en a qu'un qui va pouvoir aller et l'autre va devoir lui passer les bras et les jambes. Bah ouais, mais comment on fait pour y aller? Non. Trop gros, hein. Rire de droite, ouais. Merci Ergot pour les 2 mois. Dr. Kona Ice pour les 21 mois. Ah merde. Bon. Boum. Voyons. Bro. Comment on fait pour rentrer? Et peut-être par là? Non. Ok, gars, je pense que là, t'as pas un bras? T'as pas un bras à me filer? Bah si, je peux te filer un bras si tu veux. Ouais, vas-y, file-moi un bras, y a un distributeur là-haut. Je me dis que peut-être ça va débloquer une porte. Attends, je vais te donner un bras. Vas-y. Enfin, j'y vais. Bah vas-y, mets-le là-haut. J'y vais, tranquille. Je te file un coup de main, mec. Tac. Ok. Voilà, là, et là tu peux rentrer. Et normalement tu vas rentrer dans la pièce. Ah oui, effectivement, je suis dans la pièce. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et là, tu dois faire quoi? Moi, je vais te filer des trucs. Alors, attends, je sors le corps. C'est Bob. Il me faut un bras, un gros intestin et une jambe... Enfin, un bras gauche, une jambe droite et un gros intestin. Alors, il faut que tu me passes... Passe-moi un intestin. Passe-moi son intestin. Ok. C'est le truc bleu, là, je suppose? Ouais, c'est ça. Attends. Chirurgien pas rassurante. C'est le truc bleu. Ouais. Attends. Oh, voilà. Vas-y, tu fais le glisser par terre là. Cadeau. Voilà. Voilà. Un suppositoire pour les 9 mois. L'hygiène. Ok. Mais elle est tombée par terre. Où est-ce qu'il est? N'hésite pas à me donner aussi des seringues de sang à la. Ah non, c'est bon, je peux déjà en récupérer moi-même. Ok. Tire de droite. Je te le mets là. Attends. Ok. Ensuite, si tu veux un bras gauche et une jambe droite, il faut que tu me files un bras gauche et une jambe droite. Là, je comprends pas quel est ta règle. Ah bon, il faut lui changer les jambes peut-être. Alors va falloir que tu fasses ça vite parce que évidemment il va perdre beaucoup de sang. Moi je vais lui arracher. Hein. Vas-y. Donc là je vais arracher une jambe, ok? Vas-y, tu arraches la jambe. Attention. Pardon.
Ah, vas-y, c'est parti. Ah oui, c'est parce qu'il a la jambe pourrie. Bah ouais, ouais, ouais. Ouh là là. Voilà. Merde, attends. Attends, faut que, faut que je lui donne du sang. Ah non, ça compte pas. Comment ça, ça compte pas? Ah non, mais c'est un bras, merde. C'est bon. Je peux stopper. Ah oui, anti-hémorragique. Tiens, ah, je t'ai filé. Merde, je crois que je lui ai arraché un autre truc sans faire exprès. Mais c'est pas grave. Merde, je le tiens par les doigts de pied. Putain. Ah! Non, vite! Ah! Ah! Il a presque plus de sang! Oui, bah 2 secondes! Je fais de mon mieux! Allez! Allez! Voilà, 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 voilà. Mets-lui du sang! Oui, je vais lui mettre du sang, je vais mettre du sang, je vais mettre du sang. Attends. J'arrive. Ah! Il veut pas prendre la seringue? Oh putain! Non! Je peux pas prendre la seringue! Putain! Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe. Attends, réessaye, excuse-moi. C'est dur de remplacer des membres, hein, c'est pas facile. D'ailleurs, dire pour les 14 mois. Alors, qu'est-ce que... Oui, la seringue jaune, c'est anti-hémorragique, c'est vrai que j'oublie à chaque fois. C'est bon, ils connaissaient les touches, mais arrêtez de nous parler du tuto. On a fait des années d'études. Bien sûr. C'est bon, quoi. Non, je vais chercher. Moi, je suis chirurgien et la personne. Ouais, bien sûr. J'ai un doctorat. Ouais, bien sûr. Je sais bien. Allez, vas-y. Et hop là. Je fais ça. Ok. Et prépare-toi. Hein. Ah, vas-y, ça, c'est que je dégage. On va commencer tranquillement par le gros intestin. Hein. Vas-y. Alors, attends déjà. Ah, putain. Je range un petit peu. Non, merde. Attends. Je vais ranger un petit peu. Que tout soit bien clair. Voilà, là, c'est bon. Putain, faut que ce soit dedans. Allez. Je prévois l'espace pour la chirurgie. Ah. Oh. My dear brother's old office. Voilà. Ok. C'est bon. Okay, attends, je vais déjà préparer... L'espace de travail est prêt, moi. Je vais déjà préparer les seringues. Ok. C'est parti. Ok. Je vais te préparer l'intestin, t'es prêt? Alors attends, je vais te le prendre. L'intestin, c'est tranquille, ça saigne pas. Oh ouais, c'est tranquille. Voilà. Tranquille. Ouais, vas-y, fais-le glisser. Voilà. J'arrive pas. Ouais. Ok. Alors là, je vais te donner sa jambe droite bientôt. Ok. Là, je te fais glisser son intestin. Ah, tu peux l'attraper. J'arrive pas à l'attraper. Vire cette merde hein. Attends. Oui. Ah. Allez. Ah là. Merci. Okay. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Voilà, ça a été remplacé. Il a pas perdu de sang pour l'instant. Non, attention. Vas-y. Oh, attends, c'est où la c'est quoi sur... c'est le bras. Hein. Oh, non, ça va être la jambe. Ok, la jambe, vas-y. T'es prêt pour la jambe? Vas-y, je suis prêt pour la jambe. Ah non. Ah putain. Non. Mais, est trop, mais merde! Attends, je te la rapproche! Vite! Tiens! Vas-y! Ok. Tiens! Ah, mais! Ok, tiens, c'est bon! Attends, je l'empêche de perdre du sang! Ah! Donne! Putain! Ah! Allez! Allez! Allez, putain. Putain. Ça rentre? Oui. Attends, je vais lui donner du sang parce que je crois qu'il en a perdu quand même un peu. Non, oui. Même pas, franchement, si, ça va. Si, non, ouais, mais là, je vais devoir lui arracher le bras après. Donc j'aurai besoin, putain. Quel enfer. Ok. Bon, je lui donne du sang. Il est toujours full en sang, hein, chez moi. Ah bah, pas chez moi. Là, il devrait être bon, là. Ouais, il est pas full, mais c'est pas mal. Ok, je vais lui arracher le bras droit. Le bras gauche, pardon. Vas-y, je suis prêt. Attention. Take this. Ok, c'est bon. Je l'ai. Ok, je l'ai. Bon, je vais arrêter l'hémorragie. Ok, c'est bon. Tiens. Attends, j'arrête l'hémorragie. Là. Oui. Vas-y. Merci.
Allez. Voilà. Ça fait, pour l'instant, ça fait plus penser à cette espèce de jeu de cuisine là. Où tu dois te passer des plats. Mais... Ah oui. Avec des organes. Quoi. Ah oui, oui. Overcooked. Overcooked, ouais. Overcooked. Easy. Tranquille. En perdant moins de 550 ml de sang, hein, Camille, un truc. Hein. Bah, c'est professionnel, moi j'ai utilisé la seringue à hémorragie, anti-hémorragique. Non, je veux dire que t'as raté, mais c'était l'objectif. Bien sûr, bien sûr. Il a perdu 4 litres de sang, c'est tranquille. Merci Draxico pour les 6 mois, merci beaucoup. Il en a 12. On a combien de litres de sang dans le corps? 12 Non, 6. Je crois que c'est 6, il me semble. 5 litres, on me dit. 5 litres 6 litres, 8 litres. Moi j'en ai 10 perso. 5, 6. Ah putain, mec, t'es trop fort. Ouais, alors attends. Alors attends, je vais sortir le corps. Alors, c'est quoi le problème? Mais. Il a des intestins pourris, je crois. Attends. Non, c'est pas dit. Attends, il faut scanner, c'est quoi? Non, normalement, on a un ordinateur qui nous dit c'est quoi le problème. Non. Ah, ça va être par là, je pense. Là, il y a une porte pour entrer ici. Il faut quoi? C'est les portes à seringues. C'est là où il y a les seringues derrière. Ouais. Je pense qu'on peut passer derrière les trucs, là. Attends. Non, là, on peut pas. Non, mais là. Ah, yes. Ah non, c'est bloqué. Sinon, je peux l'enlever. Oui, mais sauf que derrière... Ah, mais attends, il y a un truc que je peux tirer. Notice board. Il faut mettre un... Ah si, il faut mettre un fusible. Il faut trouver un fusible. Mais alors, derrière, là-bas, il y a un autre truc aussi. Trouver un fusible. Trouver un fusible. Attends. Un fusible. Peut-être là-dedans. On est peut-être là où je suis. Attends, peut-être là. Attends, je crois que j'ai une idée. Mais non, deux fusibles en vrai. Y'a rien là-dedans. Partout, toi. Je suis dans les tuyaux d'aération, ouais, mec. Je vois ça. Ah, j'ai trouvé un fusible. Ah, yes, ok, vas-y. Enfin, attends. Faut que je le retire de quelque part. Tac. Ok, c'est bon, je l'ai retiré. Vive la science. Tac. Et là, je le place. Putain. Allez. There we go. Ok. Et là, du coup, c'est bon. Là-dedans, attends. Il y a des scalpels, ça peut être utile. Oh, on s'en est très bien sortis sans, hein. C'est vrai qu'on peut juste arracher les trucs quand il rentre très fort dessus. Bah ouais. Je vais essayer quand même. Parce que je suis... J'utilise la matière. Non, mais je comprends. Ah, le scanner est là. Bob est introuvable. Ah, mais il faut prendre le scanner, attends. Voilà. Faut emmener le scanner. Ah, a diagnostic scanner. Attends, faut que je prenne. Si je pouvais te tuer, mais non, je peux pas. Non, tu ne peux pas. Merde. Ok. Attends, faut que j'emmène le scanner à Bob. Je peux lui couper un bras. Attends, pas encore. Déjà, ouais, voyons. Merde. Je peux lui arracher les ongles. Merde. Putain. Fred qui... Full Mengele, quoi. En mode full Mengele là. Attends. Là. Voilà, c'est bon, c'est placé. Et son problème, c'est... Oh putain, il a plein de problèmes. C'est son cœur, je crois. Merde, attends, putain. C'est son cœur. Son estomac. Il perd du sang, hein. Et sa jambe droite. Attends, je vais chercher les seringues, je vais en rapporter ici. C'est bizarre. Tranquille. Putain. Attends, je vais lui donner... Il perd beaucoup de sang. Oui, bah j'arrive. Ah, mais en fait, il se perd du sang de partout, regarde. Ouais, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Je comprends pas. Moi non plus. C'est un genre de maladie. Ah ouais, c'est un problème, hein. Attends, c'est une passoire, hein. Je vais chercher des seringues aussi. Faut les rapporter dans la pièce là-bas, les seringues, comme ça on les aura sur place. On va t'aider, Bob, ne t'inquiète pas. Ah non, mais je pense qu'il faut faire une anti-hémorragie, en fait. Et la seringue jaune, il faudrait. Ah oui, c'est vrai. Attends, seringue jaune, comme ça, il sera plus... il fuitera plus, quoi.
J'arrive. Tiens. Rire de droite. Voilà, regarde, il fuit plus. Ok, bien fait quand même. Tac. Bah voilà. Comme neuf. Alors. Maintenant. Les trucs sont dans la pièce là-bas. Ok. Mais ouais, mais sauf que je sais pas comment on rentre. Bah c'est le fusible ici, regarde. Il faut en fait quand on... Ah oui, t'as raison. Attends, viens, on va choper toutes les seringues dispo. Voilà. Vas-y, je prends quelques seringues jaunes aussi. Ouais. Voilà, tranquille. Voilà. Je vais en prendre une autre et comme ça sera fait. Bah, je prends une autre jaune de plus. Vas-y. Je pense que ça sera suffisant. Hein. Oui. Attends, juste avant de retirer que je sorte. Voilà. Ah. Oui. Non, c'est bon. Donne-moi deux secondes. Oui, voilà. C'est bon, vas-y. Tiens. Et j'ai vu un truc que je voulais prendre. T'as vu quoi ? Voilà. Marteau. Antoine a compris que c'était Fred, de quoi vous parlez ? Ah mais c'est toi qui l'a fait saigner de partout, c'est ça ? Non, c'est pas vrai. Si c'est toi, ok. Ah oui, c'est pour ça. Ok. Alors attends, je vais mettre le fusible. Allez, putain. Mais putain, il veut pas prendre le... Voilà, merci. Rire de droite. Ok. Allez. Ok, putain. Je teste sa réaction. Ah ! S'il saigne trop, mets-lui une anti-hémorragique, hein, t'inquiète. Hein. Ouais, t'inquiète. Je m'occupe de l'anesthésie. Putain ! Je m'occupe de l'anesthésie. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ok, bon, alors. Il dort bien. Ah, bien. Attends, j'arrive. Oh, non, merde ! Putain. Attends. Et merde. Ah, comment on remet ça? Voilà, ça y est, c'est bon. Bravo, mec. Je te félicite pas. Tu es la honte de la profession. Attends, il a perdu beaucoup de sang. Donne-lui un peu de sang. Ouais, je lui donne. C'est bon. Putain. Attends. Je crois que ça va, là. Attends. Putain. Voilà, direct dans la jambe. Direct dans le genou. Ok. C'est bon ? Ne touche pas à ça, okay. Tu lui en as pas donné beaucoup. Je vais encore hein. Un peu de sang. Hein. Ouais, remets-lui un peu de sang. Bon, le premier truc qu'on va faire, c'est on va lui retirer l'estomac. Ça sera le plus simple. Hein. L'estomac, il est en dessous du truc bleu. Je crois. Attends, je lui mets du sang dans le genou, là. Voilà, c'est bon. C'est pas mal. J'ai rendu du sang. Alors, attends, je vais retirer le truc bleu. Ça sert à rien. J'ai un scalpel, tu veux que je m'en serve ? Faut faire quoi ? Attends. Merde. Merde, non ! Putain ! Ah. Attends. J'arrive, c'est imminent. Attends, je mets ça là. Il avait besoin de sa rate ? On peut vivre avec deux. Oui, tranquille. Putain. J'ai envie de me tabasser les boules. Hein. Ah, attends. Je pense que je vais lui rendre un peu de sang. Ah ouais ? Tu penses qu'il en a perdu ? Ah oui, un peu. Oh, un petit peu ! Fais gaffe, parce qu'on va devoir lui arracher la jambe. Hein. Ah merde. Bah on lui mettra un truc... Putain, mais tu lui as fait encore casser le doigt, là ! Faut lui mettre de la seringue jaune, il y a de l'hémorragie ! Attends. Je m'en occupe. Ah, je suis plus dans les couilles. J'arrive pas. Voilà. Voilà, tout va bien. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, là, du coup ? Alors là, il va falloir retirer l'estomac. Attends, je vais ranger l'intestin, parce que là, il traîne par terre, on sait jamais. Faudra pas les remettre, ça sert à rien. Mais en tous les cas, va falloir péter la cage thoracique. T'as toujours ton marteau ? Ah oui, j'ai le marteau, là je peux m'en servir. Vas-y, il faut péter la cage thoracique. Fais-le délicatement, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Te rappelle qu'on est face à un humain. Hein. Pas un objet, quoi. Vas-y, attends. Doucement. Hein. Je le fais avec ce côté. Oui, voilà, c'est plus délicat, effectivement. C'est resté planté dedans. Essaye de le reprendre, attends. Peut-être ? Je vais peut-être lui mettre une seringue jaune, non ? Non, pas tout de suite. Il y a un truc qui est venu avec le... Attends. Bon, ça sert à rien.
Ça sert à rien. Ah, je devrais pas utiliser le côté qui... Non, peut-être pas, parce que... Ouais, t'as raison, ça devrait être plutôt l'autre côté, hein. Voilà. Alors. Ok, je lui ai retiré, je crois... un truc. De toute façon, il reste... y a plus grand-chose à retirer, hein. Attends, je vais chercher un intestin. À quoi ça ressemble, C'est ça un truc jaune, là. Ah, c'est ça. Attends, je vais lui placer. Je l'ai pris ? Non, je l'ai pas pris. Putain. Mais putain ! Voilà, merci. Ok. Voilà, très bien. Mais fais gaffe, parce qu'il va falloir que je lui retire la jambe un moment. Ouais. Ok, donc je lui ai remplacé son intestin. Voilà, il est en bonne santé. Maintenant, on va lui retirer le cœur. Est-ce que tu peux lui arracher le cœur et je vais directement aller en chercher un, comme ça je pourrais le remplacer le plus vite possible. Mais on l'est pas déjà enlevé le cœur, hein ? Non, c'était l'intestin. C'était l'intestin. Mais, je crois... Ah, on lui a peut-être retiré le cœur. Attends, je vais essayer de lui placer un nouveau cœur pour voir. On lui a tout enlevé, hein, on change tout. Attends, ah non mais, tu viens retirer l'intestin que je lui ai mis ? Non, je lui ai retiré le poumon. Ah oui, bien joué. Attends, je remets tout dedans. Ouais, remets tout dedans. Attends, ne remets pas le cœur, si tu vois un cœur. Non, ça traîne par terre. Ah putain. Ah. Voilà. Ah là. Ça, c'est ah c'est bon, j'ai remis le cœur. Ok, maintenant, va falloir lui arracher la jambe, celle-ci, là. Mais attends, ouais. Je vais en chercher une, comme ça, on va la remplacer le plus vite possible. Ok, ça roule. Ok, alors attends. Il y a un deuxième poumon par là. Voilà. Enfin, je le mets là. Voilà. Ça sert de doudou. Hop. Tout va bien ? Ouais, ça va. Tout va bien ? Attends. Après, je pense que l'intestin, il est pas très au bon endroit, mais... Non, mais il saura quoi faire, Bob. Oui, c'est vrai. Alors, attends. J'essaie de placer ça correctement. Bon. Arrache la jambe. Ouais, laquelle ? Celle-là. Non, t'as arraché le bras ! Oh, merde ! Ah, je confonds tout le temps les deux. Attends. Oh là. Vite. Bah c'est toi, là. Ah, mais non. Bah oui, mais t'as arraché le bras. Mais j'y peux rien, j'ai pas fait exprès. Bah je sais bien, mais bon. C'est pas ma faute. Oh, merde. Public, on a pas beaucoup de moyens. C'est à cause des coupures dans le budget de l'hôpital qu'on en est arrivé là. Ah, putain. Normalement, ça se passe pas comme ça. Merci Kamoshida, 69 pour les 3 mois. Melmaz, les 14 mois. J'arrête de le mutiler. Petchox, le sub. Etinos, le Ninos, les 5 mois. C'est vrai que c'est un peu marrant. Oui, c'est rigolo. Enfin, il saigne. Alors attends, c'était quoi ce qu'il fallait faire déjà dès le départ ? Ah oui. Ah, c'est chiant, faut que j'aille chercher le truc de merde. Fusible, ouais. Attends, mais j'arrache tout. Va chercher le fusible, j'arrache le reste. Ok. Je mets ça à la route, ça ne gênera pas. Voilà, ça là. J'aime bien comment ils essaient de foutre un scénar dedans. Et... Putain. Et tout le monde s'en fout, ouais. Ouais. Putain, mais... Ah, ils ont essayé de portaliser le jeu. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... C'est Portal version Lidl, un peu. Portal cringe, ouais. Hop. Ok. Please pretend you're not seeing this. Ah, ok. Bien rangé. Putain, allez. Je peux pas sortir ? Ah si, c'est bon. Ah merde. Si, c'est ça qui gêne. C'est bon. Attends, je le mets là. Putain. Allez. Oh putain. Voilà. Attends. Bon. Voilà. Attends, c'est horrible. Hein. Tout est horrible. C'est bon ? Vas-y. Alors attends, j'ai essayé de le placer. There we go. Julian has freshly stopped. Ok, il nous faut un max. Merde, attends, la porte s'est fermée. Attends. Allez, attrape! Oh là là, au secours. Ok. Ça va bien se passer. Vas-y. Attends, j'essaie de... Et merde. Allez! Mais pourquoi ça marche pas? Allez. Prête, 3. Bah non, ça marche. Ah, voilà. Voilà? Ok, c'est bon, je peux ouvrir la porte. Ok. Attends, faut que j'aille prendre le scanner.
on prend tout. De toute façon, c'est un nombre limité, donc faut tout prendre. Ah, c'est un nombre illimité ? C'est un nombre limité. Ah oui, limité, oui, parce qu'il me semblait. Non, mais j'ai pas encore sorti Bob. En fait, normalement, il est pas censé perdre plein de sang, c'est juste que tu l'as tapé de fou, quoi. Non. Si. Franchement, je l'ai mutilé, juste. Je l'ai juste mutilé, quoi. Ok. C'était juste pour le fun. Il va falloir mettre d'autres sur un peu de sang quand même, je pense. Moi, c'est bon, j'ai tout pris. Mais il faut tout ramener. Ouais. Il va falloir mettre un peu de sang. Attends, je vais lui en mettre. Je vais lui en mettre. Ok, c'est bon. Pitié. Pitié, pitié. Ok, c'est bon. Merde. Attendez. Il n'y a pas le free et les fire, on peut se planter les soirées mutuellement, quoi. Ah, ce serait terrible. Ah, si. Je lui donne un peu de sang, je lui donne un peu de sang. Mais bouge pas, putain. Voilà. Vas-y, moi, je range tout pendant ce temps-là. Ok, c'est pas mal. Voilà. T'as plus rien à choper en termes de seringues, là-bas ? Y a deux merdes, là, attends. Une jaune, une rouge, je ramène. Je vais prendre la rouge. Merde. Voilà, c'est bon. Ok, toutes les seringues sont là en tout cas. Ok, va falloir lui retirer d'abord le foie. Merde, attends, il faut aller chercher le marteau. Ah oui. Le marteau. Très important. Voilà. Très important. Voilà, attends. Je me mets bien comme il faut. Vas-y, vas-y. Voilà, je l'attrape de face. Tu vois bien, mec, on dirait que t'es bourré et que t'essaies de rapasser un objet. Ok, c'est bon. Ok. Alors, te trompe pas de sens. Comme ça. Voilà. Voilà, délicatement. Voilà, très bien. C'est bien. Ah, impeccable. Impeccable. Vraiment super. Là, faudrait... Là, la petite partie, là. En dessous du... Au-dessus du truc bleu, là. Ah, voilà, c'est bon. C'est bon. Il perd du sang. Il saigne un peu, j'ai un peu raflé. Attends, bah si, parce que sinon ça va être la merde après. Attends, je vais lui mettre je vais l'aider. Il saigne un peu. Voilà. Ok. Donc on commence, on vise quoi ? Le cœur ? Oui, on peut prendre le cœur, ouais. Ok. Je vais chercher un cœur. Ah mais attends, j'ai pas encore... J'ai pas encore ouvert l'autre pièce. Allez. Attends. Allez. Attends, lui arrache pas le cœur encore. Tu lui arraches le cœur, ça y est. Non, c'est bon. Attends. Je me prépare. Je sautais par-dessus comme ça. Ok, allez, t'as le cœur. Attends. C'est bon. Ah. J'arrive pas à attraper. Ah, je vais attraper. Mais ouais, t'inquiète, tout va bien, j'ai l'impression. Allez, putain. Tout va bien. Mais... J'ai pas le bras assez long, mais... Mais mets-toi de l'autre côté. Non, c'est bon. Ouais. C'est bon, je l'ai... Allez. Voilà. Hop là. Mais c'est bon. Je le croise. C'est bon. Maintenant, faut lui retirer l'intestin. Enfin, le foie, okay. Ou je sais pas... Enfin, ça. Je sais pas le nom. Attends, touche pas au cœur. Non, c'est bon, ça. Vas-y, je vais lui chercher. Le gros intestin, là ? Ouais, mais t'inquiète, je vais chercher ce qu'il faut. Il va falloir juste que tu lui... On va lui préparer... Donne-lui du sang, parce qu'il va falloir lui arracher la jambe. D'accord. L'estomac. Tac, voilà, c'est fait. Donne-lui du sang, parce qu'il va falloir lui arracher la jambe. Yes. Il va crever... Non, t'inquiète. Il va jamais crever. Vous êtes fous, vous. Hop, tranquille. Ok. Tu vas reprendre la même fois. On dirait les infirmières bourrées quand elles ratent ta veine. C'est ça. Ouais, ça m'arrive tout le temps. C'est différent. Ça va, mec ? Tu lui as... Mais il perd du sang de fou, là ! Mais non ! Mais si ! Comment ça ? Mais... Ah merde ! Comment ça se fait ? Bah, attends, je vais essayer de stopper une hémorragie. C'est peut-être parce qu'il a pas de cœur ? Attends. Si, il a un cœur. Merde.
Il perd du sang toujours là? Je sais pas, j'ai renversé la... Oh. Attends, vas-y, je remets du sang. Mais tu sais pas bien le faire. C'est bon, si, regarde. Mais non. Bon, vas-y, fais-le. Je remets ça. Ah, oh, merde. Ah. Au secours. Ah. Ah. Ok, il a mis 368. Voilà. C'est quoi, je vais mettre ça là, ça nous emmerdera plus. Ah non, t'es obligé de le mettre en face, putain. Nique toi. Ok, vas-y, de toute façon, on va lui arracher la jambe et on va lui en mettre une nouvelle. T'inquiète, j'ai déjà la jambe. Vas-y, ouais. La jambe là où je suis, tu lui arraches. Ok, attends. Ouais. C'est bon, j'en mets ça en place. Ah merde, c'est pas la bonne jambe, attends. Je sais pas si c'est grave, attends, je vais prendre l'autre jambe. Non, c'est bon. Attends, on sait jamais. Voilà, c'est bon. On sait jamais, attends, on lui arrache pas la jambe encore. Vas-y, bon, arrache. Je mets un peu de sang. Quoi Arrache la jambe du côté où je suis. Ok. Attends, merde, j'ai... Putain. Ouais. Voilà. Ok. Vas-y. Attends. Mais peut-être ça irait mieux si on y faisait avec un scalpel. C'est peut-être pour ça qu'il perd beaucoup de sang. Oh, t'inquiète. Allez, t'es prêt? Ah. Voilà. Putain, on est vraiment des professionnels. Mais c'est incroyable. C'est bon. Ah, Docteur Joshua, c'est vraiment toi, quoi. C'est vraiment toi. Merci Kaiser sous ses VDC pour les 2 ans de Subtier 2, merci beaucoup. C'est vraiment réaliste, c'est une simulation, moi, je trouve. Ah bah d'où le nom, hein. Une simulation. Oui, c'est vrai. Tranquille. Et maintenant. Okay. Chirurgie expérimentale. Ah. T'avais fait toi le jeu en parlant de trucs qui essayent de faire du portal. Le jeu qui joue sur les perspectives. Oui, Superliminal, ouais, je l'ai fait. Superliminal. Très très cool. Vraiment sympa. Ouais. Tu l'avais fait toi? Ouais, bien sûr. Ouais, il est très cool. Hein. J'avais beaucoup aimé. Bref. Alors attends. Alors c'est quoi son problème? Son bras gauche, c'est tout. Alors attends, moi je te propose, on va essayer de faire ça avec un... Non mais attends, lui coupe pas le bras tout de suite. Il faut qu'on puisse trouver où est-ce qu'on va lui... Avec quel bras on va lui remplacer, je sais pas où est-ce qu'il y a des bras moi. Ah là, ici, attends. Tac. Il y a un truc là, mais ça, c'est là d'où on vient. T'as, non mais t'as c'est bon. Ouais, j'ai un bras. Ok, vas-y. Je coupe. Attends, est-ce que c'est le bon bras? Non. Attends. C'est pas grave, non, si? Je sais pas, je préfère être sûr. Non mais t'inquiète, c'est bon, j'ai le bras. Faut que ça marche, si. Vas-y, coupe-lui le bras. Non, vas-y. Ah bon. Voilà. C'est bon? Il est soigné? Ah non, c'est pas le bon bras, je pense. J'ai pas mis le bon bras? Quoi? Juste, je me demande si... Ah non, c'est pas le bon... C'est le mauvais bras. Merde. Merde. Ah oui, c'est vrai qu'il a deux bras. On dirait quand moi, quand je dessine des mains, que je me trompe à chaque fois. J'avoue, t'es à chier en dessin, mec. Faudrait que je t'apprenne un jour. Alors, attends. Tac. Arrache-lui encore le bras. Mais non, mais ça va être pareil. C'est le... Ah non, c'est bon. Ça devrait le faire. Non, là, tu vas lui couper la tête, mec. Ouais, je sais, c'était pour essayer. Fais gaffe. Hein. Il va falloir bientôt lui redonner du sang. Hein. Allez. Coupe. Non. C'est pas grave. Allez. C'est... Il faut lui donner du sang, absolument. Oh là là. Putain. Voilà. Je l'ai bien, là. Là, je l'ai bien. Non, il va crever. L'hémorragie. Il va crever.
j'ai l'impression que la hache, c'est quand même moins efficace que de lui arracher. Hein, je ouais, pas mentir, j'ai l'impression hein. que tout est moins efficace que juste d'y aller vraiment à l'arrachage. J'ai l'impression. Merci Crustadel pour les 6 mois. Armos 274 et 9 mois, merci beaucoup. Ah, je pense qu'il faut que l'arracher tout simplement. Après, deux bras gauche, s'il était gaucher, tu vois, ça a l'avantage de ouf dans la vie, quoi. Mec. C'est profond. C'est exactement ce que je me disais. Ouais. Parce que en vrai, vraie question, si t'es gaucher et que t'as deux bras gauche, c'est trop bien, quoi. Bah ouais, c'est clair. Bien sûr. Alors attends, juste voir un truc. Est-ce qu'il perd du sang dès le départ ou pas? Non, mais par contre, il est low, il est à 2000. Ouais, faut lui mettre un peu de sang, quoi. Ouais, merci ma petite molasse pour les 5 subs offerts. Merci beaucoup. Ah putain, vas-y. Ok. Voilà. Ok, là il a quoi? Il a 2910. Vas-y, je lui en mets aussi. Faut vraiment que tu restes. Il est à 4140. Voilà. Oh, attends, je vais chercher un bras. Vas-y. Ça va le faire. Vive la science, putain. Vive la chirurgie. Ok. Alors, attends. Vas-y, tu vas lui arracher maintenant. Ouais, attends, je tiens la main. High five. Prenez ma main, monsieur. Vas-y. Voilà. Me dis pas que c'était tout. Je pense pas. Ah non, ça a ouvert l'autre porte là-bas. Ah oui. Et pourquoi on change tout le temps les bras et les jambes de ce pauvre monsieur? Bah, il a des gros soucis, hein. Ah, c'est vraiment Portal Leader Price, hein. Ok. Attends, il y a un bouton. Oui, là-haut. Ouais, on a compris. Hey. C'est le scénar. Hein. Attends, j'ai appuyé sur le bouton. Attends, je pense qu'il faut monter là-dessus, peut-être. Enfin, c'est Portal, quoi. C'est incroyable. On est en train de sortir de l'espace du jeu, mec. Eh oui. Oui. Mais sauf qu'en fait, ça marche juste pas parce que nos deux personnages, on a l'impression qu'ils sont d'accord avec ces expériences scientifiques, alors que ce personnage-là, il est en mode « Oh là là, non, attention, c'est dangereux. » C'est pas... Oh là, je suis tombé dans le vide. Ah oui, non, c'est normal. Merci. C'est normal. Par où? Voilà. Non. Oh, mec. Par là. Non, c'est l'autre côté, je pense. On peut se baisser, peut-être? Ouais, peut-être. Mais non, on peut pas se baisser. Non, attends, regarde, faut tirer. Oui. Vas-y, tire à gauche, tire à droite, je tire à gauche. Attends, non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Si, c'est pas ça. Ah, ça a l'air d'être ça, mais ça veut pas... Attends, faut mettre un truc pour coincer, peut-être. Non. Et on a rien. Attends, regarde, si, y a quelque chose, là. Ah là. Oui. Ah, y a un fusible. Arrache-le. Et avec ça, attends, y a un truc, là, ça fait quoi, ça? Ah non, ça a ouvert, c'est tout. Tout vas-y, sors. Putain. Tu peux pas à cause de cette merde. Y'a encore un truc qui bloque. Attends, mais là, y'a un autre truc, là. Hop. Ah, faut que t'ailles chercher. Faut prendre le fusible dans l'autre pièce, là-bas où on était, et le placer ici pour ouvrir ici. Ok. Musique d'angoisse. Ok. Sur le point d'avoir des révélations sur Surgeon Simulator 2. Oh là là, putain, je n'attends que ça, mec. Ok, et maintenant, ça. Et c'est ouvert. C'est bon. C'est énorme. C'est bon. Ok. Là, il y a un truc qui est pété, là, j'ai l'impression. Ouais. On peut pas passer par là, il y a un... Ouais. Ouais. Ah, mais si, on peut ouvrir la porte, tout simplement. Ah, il faut le fusible, il faut le fusible. Je vais le chercher. Vas-y. Ah non, mais il y en a déjà un là, en fait. Ah, ok. Attends. Il y en a déjà un que je peux essayer de mettre. Ça vaut rien la porte, je pense. Ah non, ça va nous raconter. Oui. Attends, si, il faut tourner en même temps, je crois. Regarde, t'as un truc à tourner, un truc à tirer. Ah. Vas-y, tire. Et si je fais ça... C'est un peu trop nul, c'est même pas des trucs qu'on doit faire en même temps, on peut juste le faire chacun son tour. Ouais, j'avoue. Attends, ah non, mais ça s'ouvre. Ok, c'est bon, je suis en bas. Ok, t'as plein de bras, t'as plein de trucs. Ah oui, d'accord, ok.
juste un groupe d'amis avec des rêves, mais au fur et à mesure, ouais. C'était un train perdu. Les rêves sont venus. C'est vraiment. Ils ont vraiment essayé de faire Portal avec Surgeon Simulator. Ouais. Oh, regardez, ça fait flipper. Pookie. Pookie dans le sas. D'accord, il est là. The Cake is a Lie. Mais moi, je voulais faire de la chirurgie, là. Je voulais pas qu'on essaie de me raconter une histoire émouvante, tu vois. Attends. Alors, attends, il y a un truc par là. Mais on peut pas... Ah si, on peut y aller. Si, si. Ok. Ok. Ok, vas-y, appuie. Marche pas. Ça fait rien. Ah, il faut le... Faut encore un putain de... Parce qu'on est un peu dans une salle à bande... Volume 5-1, 0... Attends, il est là par terre. Hop. Non, je vais le placer dedans. Vas-y, si maintenant, si j'appuie. Vas-y. Ok. Mais... Qu'est-ce que ça veut dire, tiens? Comment ça? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Attends, là, il y a une pièce pour... Attends, il y a un truc, là. Oula. Non. Qu'est-ce que c'est? Putain. Ok, il y a des jambes. Je peux faire ça, en fait. Je peux me faire ça. Et avec non, ça, ça fait quoi? En quoi changer les bras de ce gars va nous faire avancer dans... dans ah, ça, l'or. Ah, je ne sais pas, mec. L'or. Ah, avec ça, je peux faire avancer ou reculer le tapis. Ah, et avec ça, on peut... hop, retirer les trucs qu'il y a. C'est un peu comme les trucs à la foire, mais avec des organes. Exactement, c'est ça. Ah, c'est Quiche Bretonne pour Elisabeth, moi. Ok, on fait quoi? On lui change les bras de nouveau, là? Je sais pas. Attends, non, il faut que je prenne le scanner. Il est là, le scanner, je l'ai. Faut que je scanne le mec pour... Tac. Merde. Le lore. Le lore. Un peu de lore. Vous reprendrez bien un peu de lore, messieurs, dames. Tac, 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 tac. Attends, je vais poser ça là-dessus. Alors, son problème... Son problème, c'est... Son gros... Putain, merde. Faut qu'il soit bien placé. Son gros intestin et son intestin grêle. Donc les deux trucs du bas. Le truc bleu et le truc en dessous. Ok, bah le truc bleu, j'en ai un œuf là. Bah vas-y, je le retire. Vas-y, mets-le. Arrache-le. Attends, allez. Pitié, 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 pitié. Ah, j'ai entendu, c'est bon, tu l'as arraché. Ouais, ouais. Vas-y, vas-y. Ah, tu l'as pas mis. Vas-y, c'est bon. Ah, c'est bon, voilà. Ok, maintenant, faut retirer l'intestin grêle. Attends, faut mettre un intestin grêle dans le coin. Voilà, normalement, allez, c'est bon. Le prochain, vas-y, vas-y. T'en as un. Ouais. Hop. Voilà. Ok, ok. Ok, je vais lui retirer l'intestin. Ils sont dans un hôpital au Pakistan, quoi. Ok, là. C'est bon. Voilà. Voilà. Oui, on s'en bat les couilles. Oui, j'avoue. Plus calme, triste. La révolution chirurgicale peut avoir des conséquences. Très bien. T'imagines que ton métier, c'est d'écrire du lore pour Surgeon Simulator 2, t'es... et on te dit, ouais, on a ça, tu pourrais nous faire Portal? Oui, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Ok, on va essayer, quoi.